À Abouasso et partout en Côte d'Ivoire, l'avènement de la pièce lisse ou noire a fait naître chez les populations une certaine phobie dans la transaction. La tendance actuelle est le refus de la pièce de 250 francs. Commerçants, chauffeurs et clients, tous réfractaires à cette pièce. Nous avons parcouru les rues de la ville d'Abouasso pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, venez avec moi. Bon, chez moi, je vois que vraiment, c'est un grand défaut parce que moi-même, j'en ai plus de 10 comme ça, qui ne sont pas utilisables. Dès que tu te rends sur le marché, tu fais tes achats, automatiquement, quand tu donnes, c'est refusé catégoriquement. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est l'État qui a autorisé ça, ou bien c'est, si c'est à notre volonté, bon, il faut que cela se revoie, hein, parce que c'est difficile à supporter. Actuellement, les pièces de 150 sont vraiment des pièces qui sont, ils n'ont plus de valeur comme auparavant. Donc l'État doit essayer de trouver une solution à ça. Parce que ça perturbe le marché présentement où je vous parle. On ne prend pas la pierre de 250 parce que quand nous on prend la pierre de 250, il y a d'autres femmes aussi qui refusent. Vraiment, nous aussi, ça ne nous arrange pas. Donc nous, on aimerait que la pierre de 250 circule pour que tout le monde puisse être content. Vraiment, c'est ce que nous on veut. Parce que nous, la pierre de 250, on refuse. Oui, on refuse parce que quand on en prend, on a des problèmes. C'est pourquoi on refuse. Je suis agent collecteur à la mairie d'Abouasso. La pièce de 250 me cause énormément de problèmes parce que les contribuables pensent que c'est difficile pour aussi de faire passer les 250. Soit elles disent que c'est lisse. Et puis, et qu'elle ne peut pas le prendre. D'autres même te refusent tout simplement. Donc, nous, en tant qu'agents collecteurs, lorsque nous partons vers elle, et qu'on leur tend la pierre de 250, elle refuse. Bon. Ce pourquoi elle refuse les 250 réellement, nous ne refusons pas. Sincèrement, c'est compliqué. Quand tu dois te demander, mais pourquoi vous ne prenez pas la pierre de 250, elle ne trouve pas de réponse. Et nous-mêmes, on a du mal à expliquer. Elle te balance tout simplement que bon, on ne peut pas le couler. Ou bien dans la transaction, c'est compliqué. Il y a les grands commerces même là qui refusent de prendre les pièces de 250. Donc c'est compliqué pour nous qui sommes les agents collecteurs sur le terrain. Un jour, j'étais ici, Evanet Ballet ici. 250, 250. Il y a une femme qui est venue me donner 250. J'ai pris 250 pour rentrer dans le marché. Si elle dit un pays, on dit non, on ne prend pas. On dit ça, elle dit non. On dit ça, moi dans le taxi, on dit non. Donc moi aussi, je ne prends pas 250. Ah, moi, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas qu'on ne prend pas 250. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne prend pas 250. Le jour qu'on m'a donné 250, moi, je suis rentré dans le marché. J'ai essayé, on n'est pas pris là. Moi aussi, je ne prends pas. On ne sait pas pourquoi les gens ne prennent pas. Même quand on paye les choses avec moi, si je dis je vais payer quelque chose, on ne prend pas. Mais si arrivé à Abidjan, je bouffe. Mais à Abouasso ici, on ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les 250 pièces, là, on doit les clients aider, ils ne prennent pas. Mais on ne sait pas pourquoi les gens disent qu'on ne prend pas les pièces de 250 là. C'est pour cela que nous, on se fait des tâches aussi. On ne prend pas les pièces de 250. Finalement, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais le constat est là, c'est que lorsque on a la pièce, on veut utiliser, bon, les gens refusent. Voilà. Je ne sais pas quelle est la raison, pourquoi est-ce que les gens refusent. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de désagréments. Voilà, tout dernièrement même, il y a une personne qui est venue avec beaucoup de pièces de 250 francs, parce que comme je travaille dans une structure financière, voilà. Et la personne est venue, tout ça là. Bon, nous, on peut prendre, mais au dehors, lorsqu'on va vouloir donner aux gens, ils ne vont pas vouloir prendre. Donc c'est un peu difficile, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que le gouvernement doit prendre une décision. Il doit prendre une décision ferme. Voilà. Puisque si la BCA autorise et que les gens refusent, je ne sais pas s'ils ont d'autres appréhensions de la chose. Bon, je ne sais pas. Mais le gouvernement doit prendre des décisions rigoureuses pour qu'on puisse utiliser parce que ça pose des problèmes. Nos soeurs, nos femmes qui vont au marché, c'est des difficultés.